Hey, bonjour Agile Loungers et plus largement la communauté de pratique des coachs du mouvement Desjardins. Alors, on voulait filmer jeudi dernier la présentation que j'ai faite dans le Give and Take de notre communauté de pratique sur le scaling agile, donc la mise à l'échelle de l'agilité et ou l'agilité d'entreprise. Justement, la caméra, je crois qu'elle n'a pas fonctionné. Je ne me souviens pas d'avoir été filmé parce que moi, j'étais vraiment en qualité de présence avec vous. Alors, j'essaie de prendre sur moi de faire une petite vidéo qui va devoir notre communauté, mais aussi pour plusieurs autres de mes clients francophones, possiblement, ou d'autres gens qui veulent avoir un échange. Hein, parce que, je vous le rappelle encore une fois, ceci est une proposition. Même les définitions que l'on va voir dans cette présentation-là sont des propositions que la communauté internationale de Business Agility, avec des groupes de Mike Beadle également et autres, avaient mis ensemble. Alors, pour ceux qui ont dû quitter plus tôt ou qui n'étaient pas présents lors de cette présentation jeudi, eh bien, voici pour vous. Il n'y aura pas la période interactive. Comme vous voyez, je suis un peu à mon bureau et puis je vais présenter les slides dans la vidéo, ainsi de suite. Mais au moins, ça va vous donner une idée. Et je vais vous faire des petits quick tease de comment un peu ça s'est passé dans l'échange avec la salle. Alors, dans la première chose qu'on vous demande, c'est un peu un genre de nuage de mots concepts, et plus en anglais, parce que moi, c'est un peu la première fois que j'en jase vraiment en français avec une communauté de coachs et autres. J'ai toujours participé à co-créer ou à collaborer avec des gens de la communauté internationale, particulièrement en anglais. Donc, on parle de concept de scaling agile. C'est le but principal de cet épisode 1 d'une trilogie possible sur le sujet, hein, parce que c'est un sujet qui fait, qui parle de. Qui fait beaucoup parler, qui est un peu à la mode là, dans le marché montréalais. Et puis, dans le fond, on va se poser la question tantôt, hein, agilité d'entreprise, agilité à l'échelle, transformation, et puis, bon, lesquels viennent avant, après, qui supporte quoi et quoi. Bon, c'est pour ça que ce nuage de mots-là, c'est un peu le résumé de mes 5 dernières années de participation à différentes équipes de travail sur la mise à l'échelle de l'agilité. Dans la tentative également de trouver des définitions autant à l'agilité d'entreprise qu'à l'agilité à l'échelle. Et puis bon, on parle de choses comme scaling agile across the enterprise, le leadership. Hein, quand on parle de leadership, ça peut venir à différents niveaux, autant le suite exécutif, les grands cadres, au middle management, jusqu'à des chefs d'équipe, jusqu'à des équipes elles-mêmes qui sont en autodécision. C'est quoi le scaling leadership? Est-ce qu'on parle du mindset et de la culture ou on parle de processus hein, dans scaling? Ça aussi, il faut se poser cette question-là. Et puis, comme je disais, là, deux éléments un peu centraux, le business agility, qui est un peu l'aspect moderne, la résultante continuelle de ce qui s'est passé au manifeste de Software Agile en 2001. Et puis, justement, il faut se rappeler, et là, je posais la question à la classe rendue à ce moment-là dans ma conversation. La classe, mon Dieu, je suis pas à McGill, là, je suis à Desjardins. Alors, je leur posais un peu la question, qu'est-ce que c'est que l'agilité à la base même, avant même de parler de scaling? Et puis, j'avais un peu le mot cue aussi de customer centric, parce que ça a été fait pourquoi ce manifeste-là? On voulait se rapprocher de quoi? On voulait offrir quoi pour le monde du travail? Bien, c'était ça. Donc, c'est basé sur l'expérience de qualité. Et puis, c'est un peu l'échange qu'on avait aussi. Et j'ai commencé à introduire un peu l'aspect que c'était au-delà même des processus, gestion de bureau de projet, IT, en parlant du SWAY. SWAY est également dans le nuage de mots quelque chose d'important, quelque chose qu'on voit de plus en plus, entre autres avec ma collègue Marina de University of Business Agility à Moscou. On parle des équipes vente et marketing qui veulent scaler leur design thinking, qui veulent se rapprocher justement d'une collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour faire vivre leurs produits ou leurs services qu'ils offrent au monde. Et puis, on a les aspects de conscience. C'est quoi le leadership conscient? C'est quoi l'agilité consciente? Consciente dans le sens de prendre conscience, d'être aware, comme on dit en anglais, d'être vraiment éveillé à quelque chose et puis d'aller chercher là, la raison d'être de pourquoi on fait ce savoir-être et ce savoir-agir. Et puis là, on avait que veut dire mettre à l'échelle agile selon vous? Donc, je préparais un peu un petit jeu de post-it comme on aime bien faire dans la communauté agile. Et puis, ce qui était le fun, c'est que Monsieur Frédéric Moreau était là. Préalablement, il avait parlé avec son image de poisson et on ne savait pas. Et puis, j'avais également, moi aussi, là, la première idée d'une mise à l'échelle hein, quand on parle d'une business, d'une entreprise. Hein, moi, en tant qu'entrepreneur, et puis j'aide beaucoup des startups. Donc, la première question avant même de parler d'agilité ou de n'importe quel processus ou de n'importe quelle démarche, c'est
Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre produit et service? Qu'est-ce qu'on veut faire pour le monde, pour nos clients? Comment on crée nos clients? Comment on rend nos clients heureux? Et donc, comment l'entreprise va faire sa croissance? Parce que la mise à l'échelle, c'est de la croissance. Hein? En anglais, ils disent souvent, How do you want to scale Agile Lounge? How do you want to scale Desjardins? Ils ne pensent pas à l'agilité, là. On pense d'abord à comment je veux croître, comment je veux faire plus de profit, comment je veux offrir des meilleurs services, une meilleure qualité, l'amélioration continue. Donc, c'est un peu ça qu'on a amené comme discussion. Et je m'étais amusé live, là. Je ne peux pas vous le reproduire parce que moi, je suis très jazz, mais j'avais parlé un peu, j'avais commencé une histoire sur Alphonse Desjardins. Imaginons-le le 3 décembre 1900, 3 jours avant le lancement de sa première caisse. Est-ce que il avait déjà l'idée de faire les je ne sais pas combien de milliers de caisses qu'il y a dans la fédération actuellement. Donc, ouais, quand même important, j'amenais ça un peu dans un contexte, bon, de business. Et puis là, après ça, j'invitais les gens à marquer, comme on voit dans les règles du jeu ici. Là, j'avais shrunké, j'avais une demi-heure de présentation. Cette vidéo-là, je vais essayer de la faire en 15 minutes, comme résumé, comme post-note de ce truc-là. Donc, quand on parle d'un jeu comme ça interactif, puis il y avait à peu près une vingtaine de personnes, donc j'essayais de faire un time box raisonnable. Et puis, normalement, quand on fait cet exercice-là, on invite les gens à amener autant d'idées qu'ils ont. Et puis là, il y avait deux portions. C'était quoi l'agilité à l'échelle pour vous et quels seraient les enjeux pour mettre en pratique l'agilité à l'échelle, particulièrement dans une grande organisation. Donc, on avait deux tableaux blancs. Les gens venaient, on discutait au fur et à mesure qu'on amenait les post-it, puis on en jasait un peu. Et ensuite, j'avais cette slide-là qui nous permettait de comparer avec des groupes particulièrement américains, mais même mondiaux, qui, en marge de certains business agility conférences qu'il y avait eu à Manhattan, on avait donc partagé, donc j'ai partagé avec eux ce qui ressortait, donc encore une fois, un nuage de mots, un nuage de post-it, like, what does scaling agile means to you? Puis, donc on a eu un échange avec ça, donc ce qui ressortait beaucoup dans d'autres groupes que le nôtre, c'était le team collaboration. Et là, je fais une petite parenthèse parce que je sais que les gens de la communauté ont pris les photos. Moi, je n'ai pas eu le temps de prendre les photos de nos propres post-it à nous. Alors, peut-être qu'on je ferai une version éditée après, quand j'aurai possession de ce que la communauté enverra, parce que j'aurais pu les mettre là avant ceux-là, pendant que je vous expliquais la discussion qu'on avait eue. Mais comme je vous ai dit, c'est un peu un résumé ici pour les gens qui ont manqué le show live. Donc, on essaie de vous donner le plus possible d'informations. Mais en gros, ce qui était intéressant, ce que je me souviens quand même, c'était l'objectif de mise en commun de l'agilité. Donc, avoir une vision, un objectif commun et de la collaboration. Comme on le voit sur cette slide-là, il y a team collaboration. Il y a aussi que le scaling, c'est de making sure that multiple Scrum team work and coordination at an optimal level. Et puis, on a, going big là, avec many teams, ça va demander, ça va avoir des coordination challenges. Je pense que tout le monde le disait, les fameux challenges, les enjeux qu'on pouvait avoir. Donc, c'est de créer un process qui va nous permettre de grandir et d'aller de l'avant ensemble et petit à petit. Donc, c'est un peu ce que ça voulait dire pour tout le monde. Et moi, je suis très, très, très heureux parce qu'autant dans les groupes de New York et Chicago que le groupe que j'avais en français pour la première fois avec Desjardins, il n'y a personne qui a amené un post-it genre un framework process qu'on va voir plus tard. Donc, thumbs up pour vous, c'était vraiment dans l'esprit. Et puis bon, là, je passe celle-là très rapidement. Scaling Agile, on vient d'en parler. Et là, ça nous amène à la proposition de définition, parce qu'il n'y a pas une définition encore. La communauté est encore en ébullition. Et puis, moi, j'aime bien faire ce lien-là entre le business agility et puis ce que Steve Denning disait en anglais, business agility is the future of management. Dans la communauté internationale francophone, on est venu à la conclusion de traduire ça comme suit. L'agilité d'entreprise est l'avenir de la gestion. Donc, c'est Monsieur Steve Denning qui est un très grand penseur en termes de processus managérial et un très bon conseiller de plusieurs C-level suites, entre autres aux États-Unis, en Angleterre et même en Allemagne. Donc, partant de là, avec Mike Beadle, qui est mon ancien mentor, qui je salue encore une fois en passant, qui va beaucoup nous manquer et qui avait une suite à ce qu'on avait fait depuis 2016. On avait rassemblé une équipe qui était vraiment composée, là, on avait des clients à nous, des cadres exécutifs, des managers de différents niveaux. Il y avait des coachs de différents types de coaching également. On parlait pas juste d'agilité. Il y avait des consultants dans différents domaines, justement, d'amélioration continue. Des formateurs également.
qui, après beaucoup de mois de débats et houleux, même parfois, on a fini par se mettre d'accord. On était un peu comme dans un ce qu'ils ont fait en février 2001 avec le Manifeste Agile, mais ça s'est fait de façon aussi virtuelle et dans plusieurs conférences à travers les États-Unis et l'Europe. Et puis, à un moment donné, au fameux sommet du Business Agility de Chicago avec Enterprise Scrum, Mike et un groupe de 19 en sont venus à cette proposition-là. On dit bien que c'est une définition, ce n'est pas la seule. On voulait encore travailler pour pas avoir seulement une seule définition, mais une définition qui pouvait rassembler le plus de gens possible. En fait, ce groupe-là était quand même assez quintessential. Ceux qui sont sur mon LinkedIn, voyez la photo derrière mon profil, c'est un peu une bonne partie de ce groupe-là fait partie de ça. Donc, l'agilité d'entreprise et la capacité de s'adapter rapidement et efficacement à toutes les formes de changement pour offrir un maximum de valeur et d'expérience client. Hein? Donc, on revient à cet essentiel-là du mouvement agile, du mouvement de l'agilité pour rendre les gens plus heureux avec leurs produits et services, si je me permets de le résumer comme ça. Et là, au cours de la discussion qu'on avait avec le groupe en personne, live, on arrivait à cette proposition de définition que je me permettais de faire. En résumant mes 5 dernières années de participation et de co-création dans ce domaine-là de business agility et avec mon mentor Mike sur être capable d'amener une proposition, donc, qui est une définition que je me base beaucoup. Hein. Et puis là, je demandais un peu aux gens dans le groupe qui avaient étudié en sciences, qui avaient un background en sciences, parce que moi, un de mes objectifs, et celui d'AgileLand également, ce que j'essaie d'amener au monde, ce que j'essaie d'amener à la communauté, c'est de ramener de la science, hein, ramener la science au cœur de ce que c'est Agile. Et puis, pour moi, donc c'était clair. Et puis, avec Mike Beadle, qui était mon mentor depuis 5-6 ans, qui était lui-même un physicien, moi, je suis en astrophysique. Donc, j'amenais une définition empirique et substantiation. Je vous expliquerai un peu plus tard substantiation, mais pour résumer ici, substantiation, c'est au niveau de l'inclusion de différents concepts et donc de l'inclusivité de différents éléments en chacun d'eux. Vous pouvez penser à une poupée Marouchka, par exemple, ou pensez même encore une fois à la caisse de Lévis. Est-ce que la caisse de Repentigny-Granby correspond à ce modèle-là? Comment ça a grandi au sein de la Fédération? Donc, essayez de voir substantiation comme l'inclusion de concepts et d'éléments qui vont nous faire grandir. Donc, la mise à l'échelle de l'agilité inclut, sans s'imiter, l'agilisation, hein, on se permet cet adverbe, de toute l'entreprise. Mais j'ai bien dit toute entreprise, peu importe sa taille. Donc, on n'est plus dans le, c'est juste pour la gestion de produits, vente et marketing. C'est plus seulement non plus pour les équipes de développement logiciel, ni même leurs cousins en TI, sécurité, tout. C'est vraiment l'ensemble de l'entreprise et de n'importe quelle taille. C'est super important. Donc, évidemment, là, on avait un échange avec des gens super intéressants dans le groupe, dans la salle. Et puis, ce qu'on se parlait, puis là, j'avais donné l'exemple de mon client à Austin, Texas, que j'ai depuis 2016. Ils étaient une vingtaine d'employés au début, 3 cofondateurs. Ils œuvrent, eux, beaucoup dans des applications qui permettent d'augmenter, justement, de scaler des business en ligne, de scaler l'affiliation management et du vrai SEM, là, on parle au overdose, là, et puis les produits qu'ils fabriquent en 3 ans. Donc, ils sont passés d'une vingtaine d'employés, il y en a 825 maintenant. Je suis un coach parmi 10 qui les accompagne justement dans leur mise à l'échelle. Depuis les 3 dernières années, ils ont toujours travaillé dans une forme de Scrum. J'ai bien dit une forme de Scrum qui est configurable parce que c'est pas one size fit all. Et puis, je donnais un peu cet exemple-là. Et là, on a eu la question, ouais, mais okay, ça, c'est le fun, c'est un Blue Ocean. Mais qu'est-ce qui arrive avec des Red Ocean comme Desjardins, Hydro-Québec, Manulife, Manuvie, excusez-moi, j'allais dû dire. Donc, effectivement, oui. Et toute notre communauté, on disait, c'est faisable pour toutes les tailles, mais il faut une volonté. Hein? Puis je vous disais que même avant d'être à l'échelle, est-ce qu'on sait marcher avant de courir? Parce que la mise à l'échelle, on parle vraiment de, c'est comme des Olympiques, là. Hein? C'est comme une multitude d'équipes, c'est comme une multitude de départements qui vont collaborer ensemble. C'est l'élément collaboratif, coopératif, co-créatif. Alors, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de mise à l'échelle si on fait ce que vous allez voir un peu à la fin de cette présentation-là, que je vous invite à poursuivre la réflexion avec Jess Bubble. C'est vraiment important de comprendre que déjà même agile, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-agir, que j'ai eu beaucoup de participation des gens dans votre groupe ce jeudi, où est-ce qu'on ajoutait même le savoir-agir, j'ai trouvé ça très intéressant, là. Donc bravo aux gens qui l'avaient amené même par post-it, parce que c'est exactement ça. Agilité,
Changez le mot agile par flexible et vous allez voir que si vous vous heurtez à un processus, à une procédure de la grande entreprise ou à un chef de département, un chef d'équipe, vous dites, ah non, ça, c'est le processus, c'est le procédure, et que là, vous voyez qu'il n'y a pas de flexibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agilité, ben, normalement, moi, comme consultant coach, je vous dirais, ben, il faut changer ça. Est-ce qu'il faut le changer de façon radicale? Mais non. Mais il faut avoir cette réflexion-là et dire, ben, si ça m'empêche, moi, ou mes équipes, de produire une valeur rapidement ou d'expérimenter rapidement, et que j'arrive pas à faire un système organique qui va amener de la valeur rapidement, hein, ben, ça veut dire qu'il faut changer le process si on veut vraiment être agile et agir en agilité. Alors, le scaling après ça, c'est cette réflexion-là et non pas le process ou le framework en tant que tel. Alors, voilà ce que je peux même rajouter parce que ça, c'est vraiment du plus là, que je vous fais live maintenant en jazzologie agilité. Et puis, donc, la mise à l'échelle est la croissance donc de ces valeurs d'agilité-là et les principes. On peut même ajouter les principes et les valeurs de Lean là-dedans, du leadership agile à toute l'entreprise. Donc, c'est vraiment la définition la plus agnostique. Et puis, sur ce slide-là, que je vais vous laisser un peu, et puis que dans le lien de la description, il y aura un lien pour aller chercher la présentation si vous le voulez sur Dropbox. Donc, la subtention, c'est la définition très, très, très large qu'on a dans nos cours d'introduction au bac ou à la maîtrise en physique, entre autres, pour moi. Donc, c'est la subtention désigne une relation d'inclusion, comme je vous parlais tantôt de différents concepts. Et puis, ça vient avec la logique de description. Donc, vous cliquez sur le lien, il faut vraiment comprendre aussi ce qui est derrière, là, dans la logique de description. Puis même, les genres linguistiques, je suis sûr que vous l'avez fait parce qu'on parle de substantion linguistique, c'est l'hyponymie, hyperonymie en linguistique. Donc, on donne l'exemple ici de l'animal qui subsume celle de mammifère. Donc, tout mammifère est forcément un animal. Et si je ramène ça à notre idéal d'agilité, donc l'agilité subsume celle d'agilité d'entreprise, donc de mise à l'échelle. Donc, ce que je disais tantôt, apprenez à marcher, apprenez à utiliser les valeurs et les principes comme aide à la décision, à l'autodécision, le support top-down et le laisser faire, le laisser aller ceux qui font, donc en bottom-up auto-organisé. Ça va vous amener éventuellement une beaucoup plus facile agilité d'entreprise et cette mise à l'échelle. Et puis donc, là, on explique un peu plus loin la notion des contenants et du contient, la logique assembliste avec la logique classique qui se mettent ensemble pour faire une mise à l'échelle agile à partir d'un ensemble d'individus et d'équipes se transformant dans une vision, une culture, une leadership agile commune. Et c'était un des beaux post-it qui avait été fait avec un jeu de barre avec le focus. Donc, voilà. Et puis, en terminant, je voulais partager quelque chose, un de mes takeaways du Scrum Gathering à Londres en octobre dernier, où j'avais rencontré pour la troisième fois M. Sutherland, qui est un des cofondateurs de Scrum, comme beaucoup d'entre vous le sachez. Il y avait John McFadden, un très bon collègue à moi d'Enterprise Scrum, et Sue Ryu à New York, qui avait corroboré cette idée-là, c'est qu'on se dit descale if you can, but if you need to scale. Parce qu'en réalité, le scaling ou la mise à l'échelle de l'agilité n'est pas un essentiel. Il faut plutôt que les valeurs, les pratiques agiles, le savoir agir agile va croître en même temps que l'entreprise. Mais si vous avez vraiment à le faire, bien nous, comme communauté, hein, ces trois personnes-là, moi-même et d'autres, ça va nous faire plaisir de vous donner des options de scaler de différentes manières et de pourquoi vous en avez besoin dans ce monde VUCA, hein, de très volatile du 21e siècle qui change rapidement, entre autres pour Desjardins, si on veut être compétiteur avec la RBC au niveau des comptes entreprises, entre autres. Et puis, je rappelais et je vous rappelle encore une fois que one size doesn't not fit all et qu'il faut faire attention aux tentatives de centralisation, hein. Puis c'est même bon. Comme je parlais tantôt, Alphonse Desjardins, est-ce qu'il exigeait, c'était-tu comme des franchises, il faut que la caisse de Lévis, ce soit la même à Repentigny, la caisse de Delormier, la caisse d'Anstic, la caisse de Nunavut, je ne sais pas s'il y en a une au Nunavut, mais il faut comprendre les contextes de chacun, les contextes d'affaires, les contextes technologiques, et puis quel marché on vise, qui sont les clients que nous voulons créer, comme disait Peter Drucker. Et puis, évidemment, aujourd'hui, en une demi-heure, live et à peu près, là je vois que je suis rendu presque à 19-20 minutes, donc c'est à peu près la même chose. Je n'ai couvert que la surface, hein, merely, de ce que c'est le scaling agile. Et puis moi, je vous dis qu'avec mes groupes de travail que j'ai participé dans les 5 dernières années à cette réflexion-là et on fait des mises à l'essai chez 3-4 de mes clients en ce moment et même chez CVS Caremark aux États-Unis, on avait fait des expérimentations. On peut vous dire que tout comme Scrum ou bien d'autres frameworks,
La mise à l'échelle de l'agilité peut offrir plus de 1024 options pour scaler avec des termes généralisés et encore plus. Alors, peut-être l'épisode 2, on parlera plus particulièrement des différents frameworks qui existent et de pourquoi faut-il ne pas les prendre et plutôt faire ce que je disais tantôt, se poser la question sur qui nous sommes chez Desjardins et qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble et de façon commune. Et puis, mettre plus d'agilité, changer-les pour flexibilité. Vous allez voir, c'est comme ça que vous allez transformer, qu'on va transformer ensemble l'organisation, équipe par équipe, petit à petit, département par département. Mais l'épisode 2 pourrait effectivement être une présentation que je pourrais faire avec deux, trois autres collègues selon vos spécialités pour comparer les modèles, faire des jeux justement de réflexion sur ces modèles-là. Ou je le verrais peut-être plus comme épisode 3 parce que l'épisode 2 pourrait être la continuité de notre discussion avec d'autres coachs qui auraient des choses à amener avec moi dans un débat constructif, qui sait. Alors, c'est un peu le but de ce slide-là, de vous montrer qu'il n'y a pas juste Safe, il y a plusieurs modèles qui peuvent vous aider. Et puis, je vous invite fortement à continuer cette discussion-là. Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a le lien dans la description. Pour ceux qui reçoivent le email, bien, vous avez aussi le lien dans le email. Donc, Why Scaling Agile Doesn't Work par Jess Humble. Donc, très, très, très intéressant ce qu'il nous parle. C'est vraiment adapté à des organisations comme Desjardins, d'un sens, même s'il ne parle pas de coopérative, là, mais ils vont vous parler des 1 000, 10 000, 30 000 et plus. Pourquoi ça ne marche pas? Et puis, ça ne marche pas. Donc, pour répondre à une question de Frédéric, je pense qu'il me disait, ça marche juste dans Blue Ocean? Ça marche mieux dans Blue Ocean? Dans un Red Ocean, puis il faut arrêter de comparer avec des buildings, je vous dirais, parce qu'il n'y a pas de tangibilité dans ce qu'on fait en changeant les comportements humains. C'est tout le défi. Et puis, donc, oui, ça peut marcher chez Desjardins, mais avant même de scaler, guys, moi, je vous invite fortement à bien faire découvrir, bien faire agir, bien faire être les gens dans leurs équipes et dans leur collaboration entre les unités d'affaires, GTD et puis, évidemment, nous, comme bureau de projet, comme pratique de livraison, être le ciment là-dedans, être le réunificateur. Et puis, si vous voulez poursuivre la discussion en personne avec beaucoup de gens, là, pendant la conférence Expin Montréal, il y aura beaucoup de gens qui vont venir prendre une bonne bière au Scrum Beer Montréal, qui est une de mes initiatives. Et j'aimerais ça aussi avoir de l'aide de plusieurs personnes pour entretenir ces meet-ups-là. Donc, on lancera notre quatrième Scrum Beer à peu près 6 mois à Montréal. C'est jeudi le 23 mai, 17 h. Donc, je vous invite. Il y aura de la bière, mon cher PL. Donc, il n'y a pas d'excuse que tu ne viennes pas. Évidemment, la bière est à vos frais, mais dans l'excellente microbrasserie qui est origine à Pointe-Saint-Charles, c'est sur le bord du canal de la Chine ou presque, sur Saint-Patrick. Et puis, le lien est dans la description pour vous inscrire. J'espère que vous allez venir en grand nombre. Partagez-le. Si vous êtes Scrum Master, en fait, je voudrais dire ça comme ça. Si vous êtes coach, amenez vos Scrum Master, amenez vos PO, et PO, amenez donc vos utilisateurs. Ça va être juste drôle de pouvoir avoir une discussion là-dessus. Alors, ben voilà, c'est tout pour moi. Alors, Alexandre Frédéric Joly et Agile Lounge et Sanenov. J'espère que ça va plaire à ceux qui ont malheureusement pas pu assister jeudi en personne. Évidemment, c'était moins interactif, hein, c'est une vidéo présentation, mais j'essaie de faire de mon mieux hein, dans le droit à l'erreur et dans le MVS, hein, la meilleure solution qui propose une valeur pour vous parler de cette mise à l'échelle de l'agilité. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et à très bientôt. Bye.